Voilà désormais près d'un an que le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont partis vivre en Amérique du Nord. À la fin de l'hiver dernier, le couple a organisé dans la plus grande discrétion et sans le dire à personne son déménagement de l'Angleterre, pour une nouvelle vie à des milliers de kilomètres de là. Désormais, avec leur fils Archie, ils vivent à Monte Quito, une ville cossue voisine de Santa Barbara, qui se trouve à 2 heures au nord de Los Angeles. Plusieurs mois après leur départ de l'Angleterre, le prince Harry et Meghan Markle adorent leur nouvelle vie, eux qui ont habité pendant 2 ans à Frogmore Cottage. Souvenez-vous, le couple y avait emménagé en avril 2018, un mois après son mariage. Selon les informations du Daily Mail, un van aurait été repéré ce lundi 23 novembre, en train de se diriger vers la résidence royale, pour enlever les affaires restantes du duc et de la duchesse de Sussex. Les affaires du couple ont été enlevées de la propriété à la nuit tombée, à l'abri des regards. Puis, les meubles, objets et accessoires en tout genre vont être envoyés en Californie, afin de revenir à leur propriétaire. Le couple York en plein emménagement, il semblerait que Frogmore Cottage revienne à la princesse Eugénie, actuellement enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son époux Jack Brooksbank. Le couple est sur le point d'aménager à son tour dans la résidence royale, grâce à un joli accord conclu avec le couple Sussex. Auparavant, il vivait à Ivy Cottage, dans l'enceinte du palais de Kensington à Londres. Comme l'explique le tabloïd, en déménageant, la princesse Eugénie et son époux se rapprochent du Royal Lodge qui se trouve à 6 km, où vivent le prince Andrew et Sarah Ferguson. La reine Elisabeth II et le prince Philippe non plus ne seront pas loin, eux qui vivent dans le château de Windsor, à moins d'un kilomètre.